Et comme promis, avant de refermer cette édition, retour à Cannes, où le 55e festival du film a été déclaré ouvert il y a quelques minutes. Les meilleurs moments de la montée des marches et de la cérémonie. Sophie Jouve. Cette année, Woody Allen a enfin accepté l'invitation cannoise. Une montée des marches historique pour le chouchou des cinéphiles français. Son nouveau film Hollywood Ending ouvre le festival. Un festival présidé par un autre américain, David Lynch, entouré de ses jurés, notamment Sharon Stone, très applaudi, Claude Miller et Régis Varnier. Mais avant de départager les 22 films en compétition, place à la fête avec en maîtresse des cérémonies, Virginie Ledoyen, qui rappelle que le cinéma est un art en prise avec son temps. Contrairement à ce que l'on entend souvent dire, le festival ne met pas le monde entre parenthèses, car les images que nous donnent à voir tous les films sélectionnés sont le reflet de son état. Témoin de la magie cannoise, Gilles Jacob a ouvert sa boîte à souvenirs avec un film retraçant les grands moments du festival. Puis il a remis à Woody Allen la palme des palmes pour l'ensemble de son œuvre. Le New-Yorkais, devant un public ravi, a ouvert avec son charme habituel le 55e Festival de Cannes. Je déclare le 55e Festival de Cannes ouvert. Festival de Cannes, on aura bien sûr l'occasion d'y revenir.